la deuxième fois en cette année 2019 que j'ai l'honneur de la part d'HCFR de pouvoir tester un vidéoprojecteur, en l'occurrence un Epson, donc que j'ai reçu aujourd'hui le 8 décembre 2019. Donc je vais procéder à l'unboxing, c'est Roseau d'HCFR alias Cyril. Donc pour cette Epson, UST focale courte, LS500B. Donc. Alors, il n'a pas été ouvert. Donc le packaging m'a l'air plutôt bien emballé. Donc si j'ouvre ici, on doit avoir les accessoires. Ok. Donc, voilà les condensateurs, un câble HDMI, une extension pour câble HDMI, la télécommande. Ok. Donc ça. Ici. La notice. Particulier là-dedans. Ensuite, du coup, eh ben, on va sortir le best shoot, mais quand même assez imposant. Ça va bien. Ceci. Et je sors. Ok. Ceci. Du propriétaire. Donc, à regarder l'engin. Du coup, on voit hein, effectivement l'optique qui est un petit peu finalement assez haute comparée à d'autres UST d'autres marques, pense à Optoma, à Xiaomi notamment. Donc voilà, on voit l'enceinte vers l'avant. Si je tourne de ce côté-là, on aura donc la connectique. Ok, on voit deux HDMI. Bon, tout ça, de toute façon, ça se retrouverait hein, sur le net aussi. Hein, une prise réseau RJ45, deux HDMI. Et puis, de quoi je pense faire des mises à jour firmware, comme ici. Voilà, le câble secteur. Et donc, bah, je suis très intéressé par voir ce que va donner ce vidéoprojecteur à focale courte, qui, hormis cette optique un petit peu en hauteur, est assez compact, donc eh ben, vous verrez dans le cadre d'HCFR ben, le compte rendu des différentes personnes qui pourront tester l'engin. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur le forum pour débattre de cette Epson et de ses caractéristiques et ses performances. Merci bien. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.